Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Monster Hunter Rise pour un petit build que j'apprécie énormément. C'est vrai que ça aide beaucoup dans les chasses. Donc, ça sera un build SNS support. Donc, je vais vous montrer tout ce qu'il faut comme équipement et tout ça. Donc, là, en attaque, on a 203, en défense, 300. On a des bonnes résistances élémentaires. Les talents, j'ai mis ça. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Le moulinet, c'est super bien. Ça évite de prendre des attaques. C'est super cool. Et voilà ce que ça donne. Donc, je vais vous montrer un pour tous. Donc, ça permet de partager tous les soins que vous utilisez à tous vos alliés. Halo de guérison, bah, ça augmente la barre de régène quand vous prenez des dégâts temporaires. Donc, c'est super rapide. Carnassier, bah, vous mangez super rapidement. Donc, vu que vous pouvez manger avec votre bouclier et appuyer sur Y en même temps, bah, ça aide énormément. Botaniste, c'est dans le set, donc c'est un plus, ça sert à rien. La chance, je crois que c'est pour récupérer des objets un peu plus en fin de game. Pique assiette, très important. Ça permet de, bah, on va dire, une chance sur deux à peu près de consommer. De pas consommer en fait un utilitaire, donc ça c'est super cool. Nerf d'acier, c'est un plus, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et rengainage éclair, c'est voilà, ça sert, c'est pas forcément. Donc je vais vous montrer l'équipement. Donc moi j'utilise ça, la SNS Nargacuga, ça permet de faire toujours un peu de dégâts. L'armure Utsushi complète, donc qui vous apporte tout de suite les bons talents. C'est vraiment très simple, hein. C'est pas une armure compliquée à craft, hein. Vous allez au forgeron. Hop. On descend. Voilà, c'est celle-ci. Il faudra juste compléter des quêtes au village pour récupérer les fameux tickets Kamura. Donc vous faites toutes vos quêtes, vous allez parler à l'ancien, après il vous donne tout. C'est vraiment pas des composants compliqués à récupérer, hein. Donc voilà, j'espère que bah, ça vous aidera dans vos chasses. Moi ça m'a aidé et puis ça a sauvé pas mal de chasses parce que des fois bah, vos alliés sont stun ou ils peuvent plus bouger, tout ça. Puis vous claquez des heals pour eux sans consommer de potions, sans consommer de méga potions, tout ça. Et puis bah vous sauvez la game. Et puis vous pouvez facilement farmer comme ça le jeu. Donc je vous dis à très très vite. Si vous voulez m'aider, bah moi un petit j'aime, un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne aussi pour rien louper. Il y aura d'autres builds. Là pour le moment, je teste plein de choses. Et puis bah bientôt des vidéos sur la chaîne. Moi je vous dis à très très vite. Allez, ciao ciao, c'était Nico.